camarades, s'il vous plaît. Camarades, s'il vous plaît. Lors de l'appel à la manifestation, j'ai pris considération du message de mon tonton qui a dit « Nous devons sortir de l'indifférence. Nous devons sortir de l'indifférence et nous devons sortir de la peur. » Je remercie le FNDC qui a mené le combat pour le peuple de Guinée depuis longtemps, qui a mené le combat pour la démocratie en Guinée, pour tous les partis politiques en Guinée, de l'UFDG en partant par l'UFR-RPG. Le FNDC a mené le combat pour que la démocratie soit réelle, établie en Guinée. Le FNDC ne fait pas le combat d'un parti politique, ni d'une ethnie en Guinée. Le FNDC fait le combat de tous les Guinéens. Le FNDC fait le combat pour que tous les Guinéens vivent dans la démocratie réelle, voilà, concrète. Donc aujourd'hui, nous sommes là, réunis, pour demander la libération de ceux qui se sont battus pour que cette démocratie guinéenne soit établie enfin, pour que ces frères-là sortent des géoles de non-retour, de la géole de non-retour qu'ils ont osé prendre des jeunes Guinéens pour les mettre là-dedans. FNDC, Ouman Silla, Fonike Menge, ils luttent pour chacun d'entre nous ici. Ce qui est important, ce n'est pas affaire de politique aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la Guinée. Nous devons mettre la Guinée devant. Nous devons mettre la Guinée devant. UFDGF, tout le monde, on doit se réunir ensemble, enfin. Parce qu'on a un ennemi commun. On a un ennemi commun, il s'appelle Mamadi Doumbouya. Il s'appelle l'impérialisme. Il s'appelle le colonialisme. Voilà. Donc je vous demande, je vous en prie, de, encore une fois, ne pas faire le choix de l'indifférence. Fonike Menge risque sa vie, Biloba risque sa vie à chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, on ne sait pas dans quel état ils sont. L'heure n'est pas à la politique, l'heure est à la réunion, l'heure est à vraiment à ce qu'on soit ensemble en tant que nation pour l'avenir de notre pays. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Camarades, salut. Non, c'est pas le son. Le son s'appelle Chase Those Crazy Shoes. Chase Those Crazy Shoes. Merci. Ceux qui ont risqué leur vie aujourd'hui pour nous tous ici, c'est à eux qu'on doit penser, à l'heure précise, pas à autre chose. Je vous en prie. Je vous en prie, tu peux mettre le son si tu veux. Le son, c'est un son que Fonike Menge m'a demandé personnellement de faire. Demandé personnellement de faire avec l'aide de beaucoup d'artistes. Et je remercie les artistes qui ont participé à ce projet-là. Arms Boy, Ousking comment il s'appelle, Striker. Merci à eux. Et merci à Warriors aussi de Mamou qui ont participé à ce projet-là avec beaucoup de courage. Parce que ce n'était pas facile de faire en sorte que les artistes, surtout installés en Guinée, prennent le risque de dénoncer ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Donc on doit vraiment les soutenir. Merci à eux pour ça.